Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube RFTA41. Je bonne vidéo à tous. Bienvenue, ravi de vous retrouver pour ce match qui va débuter dans quelques instants. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Darren Tulette qui nous livrera son analyse technique. Mes respects, cher Grégoire. Voilà une affiche plutôt sympa. J'espère qu'on va se régaler. Et voilà, sous nos yeux, les compositions d'équipe. Voilà, on y est. Début de la rencontre. Matavs. Il n'arrive plus. Il peut y aller. Et le cadre se dérobe. Mais se dérobe vraiment. Ce genre de frappe peut faire des dégâts, même à cette distance. Mais pas là. Il y a quelques signes prometteurs de leur côté en ce début de match. À eux d'en profiter maintenant. De la jouer dans l'espace. Faut tirer là. But pour le Vitesse Arnhem. Quelle boulette et les conséquences sont terribles. Matavs a parfaitement profité de ce petit cadeau. Bravo pour l'efficacité. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. Pour trouver la faille dans la défense. Repiqué dans l'axe peut-être. Il préfère repasser derrière. C'est joué long, attention. Bonne lecture de la trajectoire. Intervention, ça pouvait créer le danger. Butner. Matavs. C'est osé. Voilà une bonne occasion de contre. Dans la surface. Ah, c'est dommage. C'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. La longue ouverture sur l'aile. Ah, il est bien monté. Il est tout seul. Il déclenche son centre. La bonne passe. Sur l'aile gauche et il a du soutien.
C'est pas mal la manière dont ils défendent. L'entraîneur semble vouloir éviter d'encaisser un deuxième but avant la pause. La passe dans la profondeur. Oui, mais c'est mal fait, c'est mal joué cette contre-attaque. Il y avait beaucoup mieux à faire. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il choisit la base sur l'aile. Le centre tombe, il prend sa chance. Oh, quel bel arrêt! Ah oui, là c'était magnifique. Il veut montrer à tout le monde qu'il ne sert pas qu'à marquer des buts. Les équipes ont de plus en plus tendance à défendre haut aujourd'hui. Ça devient un peu la norme. Le bon dribble. Il cherche un coup de la tête. Oh, c'est un arrêt important, ça. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Il relance côté droit. Le centre est par le coup de tête. Il évite le pire, corner. Et il manque le geste décisif. Il y avait du monde dans la surface là, c'était une belle occasion. Ouverture vers le poteau de corner. C'est envoyé dans l'axe. Oh, il l'a récupéré. Il est servi. Quelle occasion, attention. Oh, le gardien est là, la classe. Quelle classe, c'était un arrêt extraordinaire. La tête! Oh, l'énorme occasion de la tête! Il tente de la jouer dans l'espace. Il faudrait se projeter un peu plus pour être dangereux. Sous la pression. Pour trouver la faille dans la défense, il choisit là-bas, sur l'aile. Il envoie le ballon dans l'axe. Et la tête! Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Quelle détente! Et l'arrêt, magnifique! C'est un super arrêt, fine save. Pour repartir proprement. Matavs, qui compte donc un but dans ce match. Il joue dans l'espace. Il est tout seul, ça peut faire mal. Et oui, but. Et il compte maintenant deux buts d'avance. Voilà une contre-attaque by the book, comme on dit. Une passe pas assez appuyée. Il surgit, il va au bout. Magnifique. Thank you.
Et voilà, ça fait maintenant 2-0. 1-0, on n'est pas à l'abri, mais là, ils ont fait le break et ils peuvent gérer. Il écarte le jeu. Oh, bon centre, devant le but. Cachia. Et c'est le coup de sifflet, c'est la mi-temps. Allez, on est reparti. Bon, le plus important, c'est surtout d'éviter de prendre un autre but. Après, ils sont capables de revenir au score. Oh, la frappe! La passe était parfaite, c'est du gâchis. Oui, cette passe était superbe. Il peut en vouloir à son coéquipier d'avoir manqué ça. Le vitesse Arnhem qui cherche l'étincelle. Matavs va avoir besoin de soutien là. Non, ça manque d'application. Matavs. Oh, ce jeu de passe, quel régal. Le vitesse Arnhem qui récupère ce ballon. Long ballon vers l'avant. Il est bien la dernière personne qu'on veut voir rôder autour de sa surface. C'est un poison, c'est un véritable cauchemar de défendre sur lui. Matavs, il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Et encore une fois, ils sont solides. Et le ballon continue de lui coller au pied. Matavs, qui le tire. À côté. Et c'est compliqué de trouver le bon appui, d'apporter de la puissance, trouver le cadre. C'est très, très compliqué. L'arbitre revient à la faute et décide de l'avertir. Le vitesse Arnhem qui semble contre. L'arbitre a sifflé, faute. Ça pourrait être une sanction administrative, mais là, l'arbitre ne sort pas de carton. Eh bien, sauf erreur de ma part, c'est la première fois du match qu'ils essaient de passer dans le dos de la défense, dans l'axe. Ils sont quasiment toujours passés par les ailes. Et il continue sa course. Alors, que va-t-il faire? Oh, la tête! Et ça fait but! Ils réduisent le score! Ils ont complètement déboussolé leurs adversaires avec ce 1-2. Une magnifique action collective. Attention, plus qu'un but d'écart entre les deux équipes. C'est bon pour le moral, ça. Et s'ils allaient chercher l'égalisation? Et voici.
ainsi que la pluie y fait son apparition. C'est bien ce qu'il fait là. Oh, il n'avait peut-être plus les jambes après cette longue course. C'est bien, il faut continuer comme ça. Come on. Bon, c'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Exact. Et ce ballon sur l'aile, ce sera une touche. Fait du bien ce tacle. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Cette possession un peu stérile. Qui a le droit à un traitement de faveur. Bon, il a déjà montré de quoi il était capable. Alors là, il se méfie. Et bon centre dans la surface. Dans l'axe. C'est joué long, c'est dangereux. La frappe. Oh, c'est au fond. Quelle va leur faire du bien, cette égalisation. Et quand on laisse un joueur démarquer comme ça, on s'expose à une sanction immédiate, non? Erreur de communication ou de concentration, je n'en sais rien. Mais en tout cas, il faut trouver des solutions, et vite! Ils ont réussi à combler l'écart. La question qui se pose, c'est auront-ils l'énergie pour aller chercher la victoire? Le jeu repart vers la droite. Ça manque un peu de solution. Il écarte, il joue sur l'aile. Il est en bonne position pour centrer. C'est bien de... La frappe, attention! C'est joué long, attention. Les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant. Il faut garder ce ballon, faire tourner, être patient et saisir sa chance. Il tire. Aucun danger pour le gardien. On a vu avec quelle vitesse ils sont capables de remonter le terrain. Ils excellent dans l'art de contre. Très beau mouvement. Intéressant dans le dos de défense. Dans le paquet. Ça va atterrir dans l'axe. La tête, superbe. Ah non, il n'a pas complètement réussi son geste. On voit qu'ils ont vraiment envie de ce but. Vous avez vu le nombre de joueurs qu'ils avaient dans la boîte? Il tente de la jouer dans l'espace. Il y a du jeu, il y a du dynamisme. Malheureusement, ça reste stérile. Et ça y est, le coup de sifflet final de l'arbitre. Ils se sont neutralisés aujourd'hui, mais on a vu quand même de très belles choses sur cette pelouse à l'arrivée. Match nul. C'est l'heure du bilan. Qu'avez-vous pensé de ce match? C'est un match nul, c'est certain. Mais il y a du positif à en tirer. C'en est terminé, Darren, pour cette belle soirée de football. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. Bonsoir.